la Confédération internationale de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels et le ministère de la Compassion des âmes, MCA, organisent un puissant moment d'orientation prophétique, de délivrance et de restauration des âmes avec le prophète Joël Crasso, maréchal de la brigade anti-sorcier. Thème: comment être délivré des liens de la sorcellerie? Tu souffres des œuvres de la sorcellerie? Envoûtement, paume sèche, manque de stabilité, longtemps tu es dans les liens et tu ne comprends plus ce qui t'arrive. Tu as énuméré un certain nombre de projets à réaliser pour l'année 2018. Viens expérimenter la puissance du Dieu vivant pendant ce moment de prière. À Divo, derrière la CNPS, tous les jours suivis de rencontres prophétiques. Contact 32 76 38 90 47 07 23 28 07 92 99 11. Que Dieu te bénisse. Ça vous va? Hier, on a parlé de quoi? Quel était le thème? Comment sécuriser son âme? Nous demandons d'âme. Comment sécuriser son âme. Amen. Comment sécuriser son âme? On construit une maison. D'abord, la première des choses maintenant, on passe à la sécurité de la maison. Comment sécuriser sa maison? Comment mettre des barbelés électriques, les barbelés? Comment penser un vigile pour surveiller la maison? Parce qu'on sait qu'il y a des douleurs. D'autres même automatique de 12 brigades parce que c'est dit que demain il peut avoir un voleur. Une nation se bâtit sur son armée, la force de son armée. On dit qu'il aime la paix, prépare la guerre. Donc on s'est dit qu'il faut qu'il y ait une armée forte, sinon demain nos ennemis vont nous vaincre. Donc on prépare une armée malgré les espionnages et tout ça. Parce que vous voulez ou pas, vous serez toujours espionneux. Voilà, c'est comme les Américains et les Russes. Chacun cherche à avoir la capacité de force de l'autre et la faiblesse de l'autre. C'est comme ça. C'est la force du plus fort. C'est comme ça le monde. Et je vous disais hier, quand tu commences à voir ce qu'on appelle la nucléaire, toutes les nations négocient. Amen. Amen. Oh, on a ça. Dis amen. Amen. Mais pour nous, c'est spirituel. Dis amen. Amen. Alléluia. Amen. Nucléaire, pistolet spirituel, dégagé. On a âme nucléaire spirituelle. Alléluia. Les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Il faut avoir toute cette armée satanique déployée sur notre maison. Et suffisamment de dire au nom de Jésus-Christ, cette armée en déroute au nom de Jésus. Nous sommes des soldats. Nous ne perdons pas dans un combat. Nous avons toujours la victoire parce que Christ est de notre côté. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la force. Il faut sécuriser les acquis. Il faut sécuriser. Il faut protéger le terrain. Il faut protéger parce qu'on se dit demain. Il faut sécuriser. Parce qu'on a besoin d'une sécurité physique. Il y a aussi la sécurité spirituelle. Et malheureusement, les gens n'y pensent pas. Ils ne pensent pas comment sécuriser leur art. Vous allez me dire, prophète, oui, ton art est en danger. Amen. Amen. De toute façon, tes biens sont engagés. Ce concept, ton âme est convoité. J'ai dans la voiture. Celui qui est à côté, c'est pas qui il est. Lui, il te voit en viande. Il voit un abruti. Il dit, mais c'est quel abruti ça? Il a des bons dans son gré. Donc, c'est dit, il peut te détruire. Aujourd'hui, on n'a pas besoin des liens de sang. Non. Les gens peuvent te regarder, peuvent te nuire, parce qu'ils ne voient rien, rien ne le fait en toi. Ton âme est exposée, ton âme n'est pas en sécurité. C'est vrai que tu as des gardes corps, tu as des gardes corps, les gens, toute une armée autour de toi, mais ton âme n'est pas en sécurité. C'est ça que la Bible déclare, l'Éternel ne garde une maison, ceux qui la gardent veillent en vain. Si l'Éternel ne garde une maison, ceux qui la gardent veillent en vain. Il faut avoir toute l'armée de Côte d'Ivoire. Il faut avoir l'armée russe pour te protéger. Mais si l'Éternel ne te garde, ceux qui te gardent, ils ne pourront rien contre les mangeurs d'art. Nous prenons la parole de Dieu. Nous faisons une religion. Amen. Amen.
Nous faisons une révision. Le psaume 97, le verset 10. J'ai dit cette année, nous allons beaucoup entrer dans l'enseignement. Et ça va beaucoup nous faire du bien. Amen. Moi, je sais que j'aime une prière spirituelle. Tu t'as misé à moi. Je sais qu'il y a 1h du matin, ce qui doit faire lever contre toi. À 2h, à 4h, 5h. Ouais, donc je suis tranquille. Amen. Les grandes nations là, ils sont tranquilles. Quand la Corée du Nord commençait à avoir l'âme nucléaire, les gens, ils disent, je suis là. Et ce qu'il a comme arme là, en 5 minutes, il peut mettre les États-Unis à terre. Mais c'est pas l'amusement. Ça a négocié. Maintenant, leurs frères Corée du Sud, ils sont allés faire réconciliation. Ils veulent se mettre ensemble. Amen. Amen. Ils ne s'attendaient pas à voir. Et ils ont âme là. Les premiers attaques, c'est fou. N'est-ce pas? Les gens ont dit, mais il faut qu'on s'attende avec eux. Vous n'avez pas vu les jeux, la Bible. Ils ont fait un jeu qu'ils ont fait. Ils se sont mis ensemble. Pour faire une seule équipe. Le monde entier est étonné. Vous êtes étonné pourquoi? Ils sont plus forts que les autres. Il a ce qui peut le tuer. Chaque jour, l'essai ici. Chaque jour, l'essai. Mon cœur pas. Pourquoi on ne va pas se mettre? On dit non reçu, il n'y a toujours pas là. Combien? Quand on essaie, c'est chez nous. T'essaies, c'est à côté de nous. Nous, on tremble. Et ça dit non. Il dit, eh bien, t'en fous des bons non. Ah, les gars, on était sud, vous étiez nord. On est trop haut. La tête dans ça. Alors après, bientôt je vais en ça va plus exister. Comme le mur de Berlin est tombé là. Ça va plus exister. Et ils ont des entrées. Lui, il est visité et pas toi. Parce qu'il a ça. Quand une fois tu as cette arme, tout le monde commence à te respecter. Et là, ne vous respecte pas spirituellement parlant parce qu'il ne voit pas ce qui est en vous. Cette capacité frappe spirituelle. Quand vous attaquez, il n'y a pas de M24 qui décolle. Aucune armée. Oh non, ça ne fait rien au ciel. Amen. Il y a des gens, dès que tu penses à les attaquer, tu te prends une armée comme cette personne. Amen. Tu prends l'armée pour dire, va, mon fils est en danger. Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est comme ça, Jésus. C'est comme ça, toi, tu es. Amen. Dis amen. 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 Tu dis pas amen. Amen. Je me couche, je me donne en paix. Car toi, éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Je donne en paix. Même si je vois Salamandre, il va quitter. Vous voulez? D'abord, Salamandre, c'est naturel. Amen. Il y a des choses qui ne peuvent pas rentrer dans ma chambre. Non, non. Même si on l'a purgé et le beau de courage, il ne peut pas venir dans ma chambre. Parce que Dieu est dans ma chambre. Amen. Amen. Dieu ne peut pas être en dehors de ta vie. Alléluia. Amen. Disons la parole de Dieu. Il faut que tout soit sécurisé, frère. Psaume 97, verset 10. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles. Il les délivre de la main des méchants. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Regardons un peu, nous voyons un peu les paroles de cantiques, de louanges que David, n'est-ce pas, chantait à l'oreille de Dieu. Vous savez un peu ce que David a vécu, le psalmiste a vécu face à, n'est-ce pas, son ennemi, son sorcier qu'on appelait Saül. Amen. Amen. Le passage est tellement clair, ça nous explique beaucoup de choses. Les choses qui peuvent amener Dieu à protéger notre âme. Il dit, vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Qui aime Dieu? Voilà, bah vous cachez, c'est ça, éternel, le Dieu vivant et puissant, éternel. Il dit, vous qui l'aimez, qui aime le Seigneur? Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est fort, hein. Il n'y a pas quelqu'un qui n'aime pas le Seigneur. On va le chasser d'ici. Tu n'aimes pas le Seigneur, tu aimes qui? Si tu aimes le Seigneur, il faut haïr le mal. Parce que le prince du mal, c'est le diable. Dieu, il est saint. Donc si tu aimes Dieu, tu dois t'éloigner du mal. Amen. Et tu protèges l'âme de ceux qui ne marchent pas dans la méchanceté
et dans le mal. Amen. Amen. Si tu l'aimes, tu dois faire un second pas. Le pas à franchir, c'est de t'éloigner du mal. Il faut t'éloigner de tout ce qui est mal. Amen. Tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Amen. Amen. Parce qu'il y a des territoires. Une fois que tu pars sur ce territoire, comme Dieu est absent sur ce territoire, frère, défaite. C'est comme quelqu'un. À lui, il s'en fout, ben, on m'a invité dans un bar, par exemple. Dieu n'est pas dans le bar. Ça, je vous dis la vérité. Je n'ai jamais vu Jésus-Christ aller s'asseoir dans un bar. Dieu ne peut pas s'asseoir dans un bar. Je suis désolé. Amen. Amen. Il y a des endroits. Frère, les endroits où Dieu est absent, ne te mets pas là-bas. Amen. Il ne faut pas aller dans des endroits où Dieu n'est pas. Il y a des endroits où Dieu ne peut pas entrer avec toi. Même s'il était en toi, dès que tu marches, lui sort. Parce que là-bas, ce n'est pas son endroit. Et toi-même, tu sais que c'est le temps du diable. Bon, tu es quitté là-bas. La nuit, on te poussait à marcher. C'est la faute de qui? C'est la faute de toi. Non, la nuit, là, j'ai vu les bœufs. Ils m'ont coincé. Ils t'ont pas bien coincé. Ne vous foutez pas de Dieu. Ne vous moquez pas de Dieu. C'est qu'un homme sème, il récolte. Toujours, vous êtes en train d'accuser Dieu. Or, oh, celui qui aime Dieu, qui se loigne du mal. Il doit haïr le mal. Il doit s'éloigner du mal. Tu ne dois pas aimer le mal. Il y a des gens, toute la journée, c'est de critiquer les gens. Mais vaut mieux prier pour la personne que de le critiquer. Il y a des gens, toutes leurs pensées, c'est comme un nœud, détruit les gens. Toutes leurs pensées, ça c'est une pensée satanique. Amen. Amen. Un gars comme ça, Dieu absent de sa vie. Parce que la Bible dit dans le psaume, ne vous asseyez pas en compagnie des méchants de mon cœur. Amen. Amen. Tu passes tout ton temps d'aller chercher femme des gens. C'est quelle sorcellerie ça? Femme qui est mariée. C'est là toi tu vois qu'il faut. Madame, ça va? Est-ce que je peux avoir ma chance? Quelle chance tu vas avoir? C'est quelle chance? Plein de filles, elles sont au lit. Pourquoi c'est celle qui est occupée? Tu veux? T'es pas sorcellerie. Il y a des gens, leur manière de penser, tu sais que lui, c'est un enfant du diable. Sa manière de raisonner, c'est un enfant du diable. La pensée, la manière d'être, il dit, haïs le mal. Tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu, là, qui est dedans? Si tu n'es pas dedans, Dieu lui vient, il sécurise ton âme. Mais toute fois que tu es dans le mal, en train de faire les vilaines choses, Dieu s'écartera de toi. Dieu n'est pas là pour le mal. Dieu n'est pas... Non, celui qui est avec Dieu, il doit s'éloigner de tout ce qui est mal. C'est cela que, si tu veux être protégé, tout dépend de toi. Amen. Tout ne dépend plus du Seigneur. Tout dépend de toi. Ne le fiche pas. Il ne faut pas le frustrer. Lui, il est là. Et puis toujours, c'est toi qui es dans les vilaines choses. Amen. Amen. Il dit, l'ange de l'Éternel campe au-dessus de tous ceux qui le craignent et les arrache du danger. Ah, je dis là, la nuit là, ils sont venus s'asseoir sur moi. Sorcier. Fais des sorciers, la joie. Tu es peur de faire des sorciers. Il a le temps de s'asseoir sur toi. Et puis lui, il t'étouffe. Et puis lui, il explique, il finit, et puis il s'en va. Il fait caca sur toi. Mais il faut venir te faire délivrer. Amen. Amen. Ah, c'est là où Dieu est là, Satan peut rentrer. Non, amen. 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 Il ne peut pas. Parce que c'est son territoire. Chacun protège son territoire. Chacun sécurise son territoire. Amen. Regardez les coffres forts des banques. Comment c'est sécurisé? Dieu sécurise ses acquis. Si toi tu es pour lui, il te sécurise. À moins que tu ne sois pas avec le Seigneur. Parce que dans les actes que tu poses, dans ce que tu fais, est déclaré en fond du diable. Toi-même, tu es convaincu que ce qui tu fais, c'est la gloire de Dieu. Chacun d'entre nous se connaît quand tu te redis, quand tu es seul, ce que tu fais là, toi-même, est-ce que tu penses que Dieu est dedans? Non, Dieu ne comprend. Dieu ne te comprend pas. Dieu veut que tu changes. Amen. Dieu veut que tu changes. C'est ça que Dieu appelle chacun d'entre nous là, répondant. Répondant, changement de chemin. Essayez pas de ta bénédiction. Tu ne changes pas, il va t'exposer. Le jour où Saül a désobéi, bien sûr qu'il avait l'onction royale, il avait l'onction pour régner, il avait l'onction pour gouverner. Le jour où Dieu a dit, né, il a tué les animaux. N'est-ce pas? Il a pris plutôt pris
Il a tué tout le monde, mais les animaux, il les a tous récupérés. Et le Seigneur dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Depuis lors, Dieu a laissé tomber Saül. Amen. Amen. Et quand Dieu a laissé tomber Saül, c'est fini. Il a exposé à ses ennemis. Si Samson vient s'asseoir sur toi, il faut te remettre en cause. C'est qu'il y a quelque chose qui a permis, qui a fait cette ouverture, qui a permis au diable d'être sur ton territoire. Amen. Amen. Allez, remets-moi en cause. Quand tu es quelque part, le diable ne gagne pas du terrain là. Non, il ne peut pas gagner du terrain. Parce que tu sécurises là de celui qui a eu le mal. Ne donnez pas gloire à Satan. Amen. Amen. Quand il est quelque part, il sécurise la vie de cette personne. Alléluia. Amen. Il sécurise cette vie. Tout dépend de toi. Tu veux que Dieu te protège. Alors, tout dépend de toi. Il faut changer. Change de manière de faire. Change de manière de voir. Et quand Saül a désobéi, c'est fini. Dieu, avant, le Saint-Esprit l'a quitté. C'est fini. Il dit, et Saül, quand vous regardez David dans le psaume 51, David dit, oh Seigneur, aie pitié de moi, il parle. Après, il dit, ne te redis pas de moi. Ne m'arrache pas ton esprit. Amen. Parce que quand l'esprit, quand Dieu se redit de toi, il n'est plus là. Et qu'il t'arrache ton esprit, c'est fini, frère. C'est fini. C'est un esprit d'égarement qui t'a mis. C'est fini. Pour ça, demander toujours, Seigneur, je veux que tu renouvelles ton esprit à moi. Amen. Donne-moi ton esprit. Parce que l'esprit de Dieu, c'est un esprit de sagesse. Amen. Celui qui nous aide toujours à surmonter les épreuves. Celui qui nous amène à voir la vision des choses. Amen. Quand l'esprit de Dieu t'a dit, c'est la sagesse. De voir comment Dieu voit les choses. Amen. Amen. Et quand l'esprit de Dieu est absent de ta vie, quand Dieu est absent, c'est grave. Il te livre. Comment toi tu es là, tu dis, non Dieu, dans ma chambre aujourd'hui, là, il y avait quelque chose qui est passé. Et donc c'est le diable. Oui. C'est le diable, oui. Dieu était où alors? Ah, je ne sais pas. C'est grave. Ça veut dire que Dieu il est absent. Qu'est-ce qui a fait que Dieu est absent de ta vie? C'est tout. Point d'interrogation. Parce que si Dieu n'est plus là chez toi, et que le diable, et que les paix des fesses des sorciers, et s'assoit sur toi, les paix des fesses. Et ta bouche devient décédée. Et on prend caca de sorcier pour mettre un petit sur toi. On appelle Gouni. Dieu est où? Donc il va laisser le diable venir sur ton, lui, son territoire. Aïe, le diable même, il respecte Dieu. Il sait qui est Dieu. Chacun a son territoire. David, l'Éternel est mon berger. C'est lui notre berger. C'est lui. Nous appartenons au royaume. Nous sommes de la bergerie du Seigneur. Il va laisser ce loup-là venir te manger. Attendez, Dieu n'est pas celui-là qui te dit, espère en moi, puis t'expose à la foi. Non. 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 Dieu n'est pas comme ça. Il faut redélivrance. Cherche à te faire délivrer. Il y a quelque chose qui ne plaît pas à Dieu dans ta vie. Donc Dieu, David se met là et pleure. Il dit, non, je ne veux pas que tu te retires de moi. Je ne veux pas. Je ne veux même pas m'instant. Je veux marcher avec toi. Parce que ça y va de ma bénédiction. Ça y va de ma. Vous savez, si vous marchez selon Dieu, vous êtes béni. Vous aurez la protection du Seigneur. Pour cela, il faut que la prière de chacun d'entre nous. Oh Seigneur, j'aimerais faire ta volonté. Marcher selon toi. Aide-moi, Seigneur, à marcher. Est-ce que ça soit la prière de chacun d'entre nous? Ne t'éloigne pas de ma vie. C'est pour ça que vous devez vous accrocher. Vous devez avoir une vie de prière. Vous devez lire la parole de Dieu. Vous devez vous attacher aux choses de Dieu. Vous devez vous investir dans les choses de Dieu. Amen. Dieu donne tout ça en vous. Et quand il voit, il sait ce qui vous sécurise. Amen. Amen. Il dit, protège l'âme de celui qui l'obéit, mais juste contre les méchants. Nous sommes dans un monde très méchant. Amen. Amen. Donc Dieu, il sécurise ton âme. Alléluia. Amen. Bien qu'il sécurise ton âme, parce que tu vois en toi un enfant obéissant, quelqu'un qui lui fait confiance, qui a passé sa confiance à lui. Ok. Mais en même temps, quand tu viens à Dieu, il faut que tes choses soient consacrées. C'est encore très important. C'est pour cela que par moment, le Seigneur nous dit, allons-y, dans le psaume. J'ai trouvé David, mon serviteur. Il dit, j'ai trouvé David, mon serviteur. David là. Il est mon serviteur. Je l'ai point demandé le Seigneur. Et quand je l'ai trouvé, très bien,
je le poing avec mon une sec. Ma main le soutiendra. Ma main le soutiendra. Et mon bras le fortifiera. Mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas. L'ennemi ne le surprendra pas. Et le méchant ne l'opprimera point. Très bien. J'écraserai devant lui ses adversaires. Acclame le Seigneur. J'aime bien ça. Et dit, j'écraserai du Seigneur et dit, j'écraserai devant lui. Devant lui. Est-ce que vous comprenez un peu l'expression? Il dit, devant lui, j'écraserai ses adversaires. Attends, est-ce que vous comprenez un peu les paroles dites par le Seigneur? Amen. Et puis il te met derrière. Et puis les grâces, c'est-à-dire, chaque ennemi les grâce, il les rend ensemble. En pacte. J'écraserai devant lui ses adversaires. Il a choisi David, c'est vrai. Mais il y a quelque chose qu'il est venu faire. Il dit, je le roué de mon huile sainte. Ça, c'est vraiment très important. Pourquoi? Parce que chacun d'entre nous est issu d'une famille. Les familles dans lesquelles nous venons, ces familles-là, celles ne sont pas une famille, des familles chrétiennes. Donc, les parents du diable font en vent des alliances avec le diable. Okay? Donc, nous sommes nés sous une malédiction. D'accord? Voilà, je peux m'exprimer comme ça. Nous sommes nés sous une malédiction. Ok? Ou, dans les traditions, dans d'autres familles, dans les traditions, comme un enfant mort, on fait des baptêmes, c'est pas, où on rase ses cheveux, et on fait des cérémonies, je ne sais pas quel l'eau te lave, mais l'enfant devient têtu après. On dit, on l'a lavé, on l'a fait quoi, et puis l'enfant devient bizarre. Ou des gens, je ne sais pas, ils font des cérémonies. Donc, vous tissez des alliances, où on t'emmène près de l'eau, où on te dit, tu es descendant d'eau, ou bien on te dit, voici ça, où on tue poulet, on met sur le feu de l'enfant, plein de choses. Ce qui devient comme un hôtel satanique dans la vie de l'enfant, qui fait que par moment, pendant que vous finissez de prier, vous voyez même des esprits dans vos rêves. Tu as fini de prier, mais tu vois l'eau dans ton rêve. Parce que l'alliance est encore là. Ok. C'est pour ça que la délivrance, c'est une base. C'est vrai que tu acceptes Dieu, mais il faut forcément nécessairement passer par là. Amen. Amen. Il y a des gens souvent se retrouvent dans l'eau. Comment ils se retrouvent nus? C'est dangereux. Quand vous retrouvez nu, ça veut dire que l'esprit de pauvreté est là. La pauvreté, c'est un esprit qui fait que tu ne peux pas avoir de l'argent. Ou bien ils sont nus dans le rayon, ils se sont portés les agneaux, les abysses. Moi, l'esprit que je combats, c'est la pauvreté. La pauvreté, c'est un démon, c'est un esprit dangereux. Vous savez pas ça? Amen. C'est quoi ça, c'est quelqu'un qui n'a pas mangé. C'est pas gêné. Hein? 3 jours. Et là, au village, Bananera des Adi est venu, il a vu, il est passé. Il va voir le film la nuit. Est-ce que vous connaissez les fins? Attends. Il y a des fins, il y a faim, il y a faim. Il y a des fins, ça te remue 21 heures. Puis tu as vertige. Maintenant, ça t'envoie les pensées. Amen. Amen. Ça. Tu n'as pas cette capacité de t'alimenter. Tu n'as pas les moyens pour manger. À ta faim, c'est dangereux. Ça va t'exposer à tous les dangers. Amen. Amen. C'est un esprit à combattre. Les gens dans leur famille sont pauvres. Ils ne peuvent pas s'acheter une maison. Ils n'ont jamais construit lourd seulement. Papa, ils ont loué une maison jusqu'à quand ils sont morts. Ils ont dormi dans une maison en baraque. C'est quoi ça? Donc on est issu de cette famille. C'est ça que quand Dieu a choisi David, Dieu met une action pour le démarquer des autres. Il pose une action dans la vie de David. Il dit, je l'ai choisi, mais je le marque. C'est ma marque sur lui. Et donc cette action vient détruire cette base qui était dans la vie de David. Ce qui était bien fait, c'est David. Parce que lui, c'est symbole de force. Lui, c'est symbole de la présence de Dieu. Lui, c'est l'éclat, la gloire. Je l'ai choisi, bien sûr. Mais je pose un acte dans sa vie. Donc, je le loin de mon lui. Donc, on dit, désormais, il y a une cérémonie faite sur lui. Il y a quelque chose qui a été fait sur lui qui fait que lui, il n'est plus comme les autres. Amen. 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 Alléluia. Il n'est plus comme les autres.
que nous les chrétiens nous baptisent. Les gens ne savent pas comment la signification du baptême. Ils vont se baptiser. Pourquoi? Ça ne sauve pas. Mais c'est important pour nous. C'est un engagement qu'on prend vis-à-vis de Dieu et du diable. Désormais, on ne marche plus avec lui. Amen. Vous comprenez? Amen. Et cette action est beaucoup importante. Donc ça vient sur ça. Quand vous venez ici, on vous fait cette action. Et par moment, vous devez même reprendre parce que l'alliance se renouvelle. C'est ce qu'on ne savait pas. Là, l'esprit était sale sur le plan spirituel. Il faut poser un acte. Donc Dieu le positionne. Il dit, à cause de ça, je te donne un esprit supérieur. Amen. Quand vous avez la marque de Dieu sur votre vie, il vous donne un esprit. Il dit, à cause du fait que je l'ai choisi, je l'ai aussi oint. Il dit, je l'ai choisi, mais je l'ai oint. Je ne l'ai pas laissé. Parce que je ne suis pas le choisi, je ne suis pas le mais je l'ai oint avec mon huile sainte. Ma main le soutiendra. Amen. 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 À cause de cette action, il reçoit ma force. Vous savez, quand vous avez la. On a toujours besoin de soutien de quelqu'un. Dis amen. Amen. Par moment, on a besoin d'être soutenu par quelqu'un. Amen. Dieu dit non, ce n'est plus une personne qui me va, mais c'est moi, Dieu, qui va te soutenir. Amen. 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 À cause du fait que je vois ma marque sur toi. Toi, tu es avec moi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous passez dans les rues et les ambassades, quand vous voyez au rein là, vous êtes content d'ici chez moi. Combien? Amen. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. Ça ne se discute pas. Amen. Amen. C'est comme ça. Donc le diable, il voit cette marque sur toi. Il voit cette marque. Avant, tu lui appartenais parce qu'il y avait des choses, mais maintenant, là, l'onction de lutte, l'onction vient briser la semence. Donc tu as hérité des parents. Ce qui a été fait, les cérémonies, ça brise un peu désormais. L'onction te positionne. Amen. Et tu commences à avoir un esprit supérieur. Amen. Et puis mon bras le soutiendra. Amen. Mon bras et mon bras le fortifiera. Soutenir, fortifier, t'aider dans votre âme, te donner plus de force dans le combat. Amen. Allons-y. Tu t'es régalé pendant que tu dors. Il ne va plus te surprendre à cause de cette action. Et le méchant ne l'opprimera point. Le méchant ne va plus t'opprimer. J'écraserai devant lui ses adversaires. J'écraserai devant lui ses adversaires. Tu ne chieras pas. Et je frapperai ceux qui le haïssent. Et je frapperai ceux qui le haïssent. Alléluia. Amen. À cause de cette action. C'est pour ça que c'est vraiment très important cette action. Elle est importante, ça sécurise notre vie. Amen. Amen. Nous, quand on finit, on prête le serment, on finit l'école pastorale, on est obligé de nous consacrer. Vous n'avez pas posé la question pourquoi un président de la République, on dit il prête serment, ou même ce qu'on appelle, on dit l'ordination, il prête serment, n'est-ce pas? C'est ça, non? Amen. On l'a élu dans les urnes, non? Hein? Amen. On a voté, on dit on a élu un président. Ça ne veut rien dire. Hein? Tant qu'il n'a pas fait cette cérémonie-là, ça ne passe pas. C'est la présence de Dieu dans la vie. C'est le côté spirituel. S'il n'a pas fait, il ne prend pas son poste. Quelle est la marque? Quelle est, à part cette histoire des devenus chrétiens, quelle est l'action qui a été menée dans ta vie? Que le diable reconnaît que tu n'es plus dans son. Tu n'es plus dans le camp de Dieu, tu n'es plus dans son camp. Et ça, c'est très important. Il y a des actions qu'on doit forcément mener. Et quand ça n'a pas été fait, c'est vrai que tu es sauvé. Mais spirituellement parlant, il y a encore l'autel qui réclame sataniquement ta vie. Les démons réclament ta vie. Parce que l'alliance, ça se brise. Il faut briser les pactes. Rien n'a été brisé. Tu as accepté Jésus, tu l'aimes, mais rien n'a été brisé. Ce qui fait que par moment, tu vois, quand tu poursuis en rêve, malgré tes prières, tu mets le feu. Les gens, quand tu les vois, si le feu a brûlé, si le feu pouvait brûler. Il met sur le lit, le feu, sur le lit, sur oreiller, en bas du drap, le feu. Malgré que tu as mis le feu, tu vois diable, il y a un chien qui te poursuit. Et tu fuis. Ça veut dire que ça ne dit rien au diable. Ce n'est pas efficace. Parce qu'il n'y a pas une action qui était comme cérémonie.
Le jour où le président dit à partir d'aujourd'hui, devant le GG, c'est fini. Il reçoit cette force spirituelle pour régler ce qu'il dit. Amen. Amen. Et cette partie-là, il reçoit. Quand les gens finissent la formation militaire, pour rentrer à la gendarmerie, on finit ça, l'ordination. On fait d'abord la cérémonie. On fait ça, on appelle cérémonie baptême d'ordination. C'est ça. On leur communique l'onction. Donc quand Dieu a choisi David, il a communiqué l'onction. Amen. C'est pour ça que par moments c'est important pour renverser les côtés, pour renverser les hôtels. Il faut que ça soit fait sur ta vie. Parce que tu es issu d'une famille de, oui, des alignés de féticheurs, des idolâtres. Ce qui fait que au moment où les gens avancent, toi tu fuis les endroits où on doit, tu dois prospérer. Quand tu es quelque part, je lui ai dit, Abraham, lorsque son neveu a choisi un endroit petit, là-bas, ce dôme d'Abed. Abraham a choisi le désert. C'est dans le désert que Dieu l'a béni. Amen. Amen. C'est dans le désert que Dieu a béni Abraham. Amen. Amen. Il y a les gens n'ont pas allé, même ceux qui ont traversé la maison blanche, ils ne vont pas réussir. À cause de l'esprit que c'est un esprit. Or, tant que tu ne passes pas par cette action pour briser, pour qu'il y ait une marque de Dieu, ta vie n'est pas sécurisée. Non, elle n'est pas sécurisée. Il faut cette marque-là, c'est ta vie. C'est-à-dire, il l'a choisi, mais je le ouais avec mon épouse. C'est pour ça que par moment, nos maisons, frères, nos maisons ont besoin de cette action. Quand vous avez une maison, quand vous voulez rentrer dans une maison, vous devez consacrer cette maison. Vous dites, c'est la marque de Dieu dans la maison. Alléluia. Amen. Dès que vous voulez rentrer dans une maison sécurisée là, prenez lui d'onction. Venez prier. Parce que ceux qui ont construit, vous ne savez pas dans quel esprit. Ou un esprit est venu loger dans cette maison. Il y a des gens qui rentrent dans des maisons et puis ils ont tous les problèmes. Parce que à cause de des esprits qui sont dans la maison, ou du moins dans le quartier. Amen. Amen. À un moment donné, Dieu a dit au peuple d'Israël, prenez le sang des linteaux, des agneaux, mettez ça sur les linteaux des portes. Parce qu'à un moment, il faudrait qu'il y ait la marque de Dieu chez vous. Par exemple, quelqu'un qui veut commencer un commerce, le commerce n'est pas sécurisé parce que Dieu n'est pas dans le commerce. Vous allez me dire, mais comment Dieu, on invite Dieu dans le commerce? Amen. Oui. Frère, si tu n'invites pas Dieu dans ton commerce, il ne serait pas dans ton commerce. Ça dépend de comment. Il commence le commerce, mais il ne sait pas qu'il faut faire une alliance avec Dieu. Il ne sait pas. Les Juifs, vous voyez les Juifs, quand un Juif veut commencer, un magasin qui va lui rapporter, ou faire une affaire qui va lui rapporter 100 000, 10 millions, hein? Il paie la dîme des 10 millions. Ça fait combien? Ça fait 1 million, n'est-ce pas? Lui, il va donner ça à Dieu. Vous voyez ça bizarre, non? C'est comme une offrande, qu'on appelle l'offrande de l'alliance par rapport à son activité. Pourquoi? On dit qu'au commencement, Dieu créa. J'ai chanté les balais, les gens qui lisent là. Vous ne connaissez pas la Bible. Dieu a créé quoi? Hein? N'aie pas peur. Dieu a créé, levez le doigt. Qui vient parler au nom du peuple? Ouais, toi? Ah, tu as levé le doigt. Dieu, levé. Oui, tu connais? Oui, tu as fait. Très bien. Bon, voilà. Dieu a créé, il a commencé par quoi? Très bien. Après, il fait quoi? La terre. La pluie provient d'où? C'est très bien. La terre n'a pas de sens s'il n'y a pas la pluie pour venir arroser. Vous comprenez? Mais il faut commencer par le ciel. Donc il y a une position du ciel. Maintenant, tu te souviens de la terre. Les chrétiens n'ont pas cette pensée. D'autres, du moins, qu'on n'a pas la révélation de ça. Les gens, quand vous voulez commencer, vous commencez par le ciel. Donc lui, il s'est dit, s'il est fait pour Dieu en faisant le front de l'alliance, quand je commence, ce qu'il a fait là, déclenche la pluie. Dis amen. Amen. Ça s'appelle le front de l'alliance. C'est ça le front de l'alliance. Mais si tu n'as rien fait, c'est quelle pluie qu'il y a de... Ça ne viendra pas. C'est ça que les autres échouent. Non, c'est quand ça a marché que je vais aller donner pour le Seigneur. Ça, c'est la dîme. Et il y a des gens qui sont là qui n'ont jamais payé.
Mais regardez, il y a beaucoup, hein. Vol Dieu. Mangez pour le Seigneur. Attendez, Dieu, là, vous pouvez voir le vol. Vous avez fait, il y a que le Seigneur. Moi, quand il y a un collègue, ça comme ça. M'a dit, j'étais ma dit, je descends, je vois une situation bizarre, il m'a insémé les gars. Moi, c'est comme ça, je prends ma dit. C'est comme ça. C'est pour ça que Dieu bénit mes activités. Mais c'est différent d'une offrande d'alliance. L'offrande d'alliance, c'est quand tu veux commencer une activité. Je veux commencer une histoire de vente de voitures. Et je sais que je peux avoir un bénéfice de 500 ou bien 1 million par achat, le million. Mais 1 million, je peux avoir 100 000. Donc je calcule, je dis, bon, mon bénéfice, ça doit être 1 million. Donc je prends les 100 000 francs hein, en représentant les 1 million, en donnant ça au Seigneur, qui n'a rien à voir là-dedans. OK? Donc je fais, je lui dis au Seigneur, voici l'alliance, je traite avec toi. Pour que Dieu soit ton allié dans l'affaire, n'est-ce pas? Est-ce qu'on me comprend un peu? Amen. Vous voulez que Dieu vous bénisse, mais n'est pas lié, n'est pas dedans. Vous ne l'avez pas associé dans le business. Donc il est absent. Et quand Dieu est absent, c'est l'échec. Et donc quand vous démarrez, le Seigneur commence à vous bénir. Les Juifs, quand ils commencent, ils font d'abord l'offrande avant de commencer. Or les gens, ils disent non, c'est quand ça a marché, quand j'ai fait, je me souviens du Seigneur. Amen. Amen. Moi, je me souviens que j'étais à Zaroko, j'ai un monsieur que j'ai aidé. J'ai aidé tout ça. Il m'a aidé au fait, je l'ai aidé. Franchement, il était prêt à partir dans le secret. Tout était déjà planifié. Tout est planifié. C'est-à-dire la date où doit mourir, l'endroit où il doit mourir, tout ça. Donc il me cherchait. Hein? Il me cherchait dans toute la Côte d'Ivoire. Pour m'avoir, c'était difficile. Heureusement, il est tombé par quelqu'un et on a créé cette connexion. Heureusement. On allait, j'ai prévenu le sorcier chez lui, le petit l'a avoué, et le petit, ce qui était là, on a détruit. Donc le petit était sur le point de mourir. Et le Seigneur l'a délivré de la mort. Et quand le Seigneur l'a délivré de la mort, il a fait une offrande importante. Il m'a acheté une voiture. Amen. Il a acheté une voiture, il m'a appelé. Il m'a appelé, il dit, viens. Moi, j'aime bien les gens comme ça. Mais oui, les gens comme ça, je ne les oublie pas dans ma prière. Parce que quand quelqu'un est reconnaissant, tu continues. Il m'a appelé, il dit bien. Il dit aujourd'hui, là, il va t'acheter une voiture. Allons. J'ai deux propositions de voitures, bien voici. Voici les deux voitures. Il y a une voiture, une Laguna, et puis une Cassens. Il dit non, Cassens, c'est donné qu'à acheter chez moi. Laguna, là, tu l'achètes. Quand il a donné l'argent, il m'avait donné l'argent. Je lui ai dit, tu fais quoi? Il dit non, il a tel poste. Quand il a fini de me bénir, 2 mois après, ils ont augmenté son salaire. Amen. Et puis il a été repositionné. Amen. Je lui ai dit, l'argent que tu es en train de faire, moi je prends ça comme une alliance devant Dieu. Parce que tu as touché mon cœur. Je prends ça comme une alliance devant Dieu. Aucun sorcier ne te mangera, c'est fini. Mais tes finances, Dieu va te bénir. Le monsieur dont je parle aujourd'hui, il a construit 2 humains babillons. Amen. Je ne dis pas son nom, mais peut-être s'il me dit, il va savoir que c'est devenu. C'est pas de l'amusement. Il a construit ça. Il a construit même. Je suis même allé consacrer l'hiver. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc il y a les actions. Tant que tu ne mènes pas, Dieu ne peut pas te bénir. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas te bénir. Quelle est l'action que tu as menée? Vous voulez être riche et puis vous ne voulez pas associer Dieu. Pour que Dieu bénisse Abraham, pour que Dieu le sécurise et protège, il a fallu l'offrande d'Isaac. Mais donne-moi Isaac. Vous savez, Dieu là, tant que toi-même il ne prend rien de toi, il ne sécurise jamais tes biens. Ah, le gars il dit, mais depuis la même, qu'est-ce qu'il a? Le père, qu'est-ce qu'il a? Il me donne l'enfant, il va le donner en sacrifice. Il n'y a qu'à aller le tuer. Si c'est toi. Les gars, si c'est toi, ton fils unique. Ici, il dit à la vieille, là. La vieille Sarah. Non. On ne peut pas s'appuyer. Il y a des choses par moment, il faut te taire, il faut faire. Parce que à toi, Dieu va parler. Quand tu vas parler aux gens, on te dit non, on ne peut pas faire. Ah, c'est comme qu'on appelle Ananias et Saphira.
Et ils vont les chanter, ah, c'est beaucoup. Comment on peut donner 500 000 au Seigneur? On va donner 200 000. Non, mais il y a 200 000. Oh, c'était consacré à l'argent du Seigneur. Ne jouez pas l'argent du Seigneur. Quand c'est pour Dieu, donnez ça. Sinon, ça va échouer. Dieu est venu encore aussi ce message. Donc Dieu dit, Abraham a dit, il a réfléchi, dit, si j'ai parlé à la vieille, je suis mort. Et on le frappe dans la maison. La vieille, son fils unique. Il n'y a qu'à les sacrifier. Il n'a rien dit. Parce que Dieu voulait ça. Il y a des choses que Dieu a souvent besoin pour te bénir. Tant que tu ne le fais pas, il ne concrétise pas la bénédiction. C'est ça qu'il faut mieux le connaître. Si tu le connais, tu vas voir. C'est ça Dieu. Pas moi, on ne le connaît pas. Il attend quelque chose de nous. Amen. Amen. C'est pour ça que moi, je dis, Seigneur, je veux te connaître. Si vous connaissez mieux Dieu, tu es souvent bizarre. Excusez-moi, prêtez-moi l'expression, il est souvent un peu bizarre. Quand tu veux bénir quelqu'un, tu as déjà prophétisé, et puis tu veux l'enfant encore. Il y a quoi? Toi qui l'as donné, Isaac, il dit, je jure par moi-même de te bénir. Comme tu as fait le sacrifice, il était sur le point d'immoler l'enfant et l'égorger. Et Dieu dit, vraiment, tu m'aimes beaucoup. Il y a des gens, Dieu leur parle, vous dit, va, achète une voiture au prophète, ils ont peur. Vous riez. Non. Il y a qui l'agent? Je dis agent. Ça fait quoi? Oh, Dieu est en train de mettre le feu. Moi-même, Dieu m'a parlé un matin. Dieu dit, bon, Taïs, prendre l'argent pour commencer une offrir. Je dis, pas Seigneur. Et Dieu dit, prends. J'ai pris. J'ai commencé. Le Seigneur a commencé à me demander. Amen. On m'a invité aux États-Unis. J'avais montré mon passeport. On dit, tu vas dans quel état? Je connais. Je viens d'essayer, je ne connais pas. Le consul me regarde. Il dit, mon interview, il dit, je connais beau. Bon, où tu t'en vas, c'est dans quelle rue? Je dis, je ne connais même pas. Je vais, c'est quel sujet là? Le gars commence à. Il a réuni sa tête. Oh, j'avais dit, moi j'ai échoué. Il dit, donne-moi ton passeport. Je tremble, je dis que j'ai échoué. Je pense que c'est contre la France. Oh, les Américains, il dit, donne ce que tu as dit à le visa. Quand il ne prend pas ton passeport, c'est fini, c'est refusé de visa. Il dit, le lendemain, il faut venir chercher ton passeport. Il dit, je n'ai pas répondu à des questions. Tu vas où, je ne sais pas. Regardez, mais il me pose, tu ne sais pas où tu t'as. Je ne sais pas, mais c'est qu'il est arrivé là-bas. C'est tout. Donc je suis sorti, je suis découragé. J'ai dit, Ahmed, on est échoué. Oh, c'est pas tout, des visas dans ma main. Donc ils m'ont demandé, le problème, tu es allé en ambassade, ils ont dit quoi? Ils ont dit, c'était dur, hein. Mais est-ce qu'ils n'ont pas donné un papier? J'ai dit, oui, oh, ils ont commencé à crier. Tu as eu le visa, mais c'est quel visa? Il n'a pas répondu, c'est comme, il n'a pas répondu aux questions. Il dit non. C'est ça que le visa, le papier qu'on t'a donné là. Moi, il dit, tant que moi-même, je ne vois pas ça, là, vous avez visa pour Amérique dedans. Là. Je ne crois pas. Oh, il dit, va dormir, il ne faut pas te stresser, va dormir. La nuit blanche, j'ai ton pauvre. Oh, c'est un visa. Quand je suis arrivé à la porte, on dit, monsieur, voici votre visa. J'ai dit, mais un an. Vous savez, quand tu positionnes une action devant Dieu, et quand tu approuves la voix de quelqu'un, Dieu le bénit. Amen. Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Tu fais quoi pour Dieu? Amen. Tu fais quoi pour Dieu? Alléluia. Amen. Tu as fait quoi pour Dieu? Quelle est l'alliance que tu as faite par rapport à ton commerce? Tu as fait quoi? Les gens, non, mon commerce, mais qui n'est pas ton allié? Tu ne l'as pas associé dedans. Dans ton activité. C'est pour ça que ce n'est pas bien. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Il faut associer Dieu dans tes affaires. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui qui apporte les finances. Il a commencé, dit, Dieu créa les cieux
j'ai la terre. Il a commencé par le ciel et puis il a fini. Donc, avant toute chose, il faut que le ciel soit, n'est-ce pas, représenté dans ta vie, par les actions. En toute chose, tu veux commencer en toute chose, commence par le ciel. Après une offrande pour tes activités, après une action pour tes activités, tu verras Dieu sécuriser tes actions. Pour la femme qui voulait bénir, la veuve de Sarepta, Élie se présente. Or, Élie en hébreu, c'est Élie, ça veut dire Dieu. Il dit, la femme dit, mais je n'ai rien à manger. Je n'ai rien. Élie dit, ok, donne-moi d'abord moi à manger, et après quoi tu vas manger. Vous avez pas dit ça? On dit, il n'y a pas à manger. Élie a pris farine, et puis un peu d'huile. Élie dit, c'est moi qui dois manger ça. D'abord. Après, toi et ton enfant, vous allez manger. Si c'est toi, t'as dit quoi? Est-ce qu'il est intelligent? Est-ce qu'il est intelligent? Il y a à manger. C'est ça. La foi audacieuse. Il faut oser avec Dieu. Elle a dit non, c'est Dieu que je vois là. Dieu d'abord. Et quand il y a mangé le gâteau, elle est rentrée dans la cuisine. Elle a vu la farine et encore de lui. Alléluia. Dieu, tu me mets à la première place. Il sécurise ta maison. La provision ne manque pas dans ta maison. Amen. Amen. À Paris. Et ce frère-là, quand je pars en France, franchement, ce frère, il me marque avec ses actions. Vous avez pas vu quelqu'un qui vient, il te dit, bon, ça va? Je dis oui. 1000 euros. Bien. Pendant tout mon séjour, on devait arracher, son business. Ils ont monté des coups contre lui. Il devait l'arracher. Il a gagné le procès. Amen. Il a gagné le procès. Amen. Il m'a dit, prophète, tu es mon père spirituel. Mais telle que la chose est, tu es présenté là. Je suis convaincu que c'est l'action que j'ai menée dans ta vie. Là. Parce que Dieu me l'a révélé en montrant ça. Donc toi, toute fois que tu seras sur le sol, ici, je serai toujours prêt à t'aider. Amen. Vous comprenez? Parce que si vous ne mettez pas Dieu dans votre affaire, vous allez toujours échouer. Amen. Amen. Nous allons tenir debout. Et chacun d'entre nous va prier. Il va dire au Seigneur, il faut que toi sois la société. Il faut que tu t'aides. Amen. Amen. Moi je vais bénir. Donc il veut que Dieu soit mon allié. Au Seigneur de nous bénir. Nous prions ensemble, Seigneur. Ouvre la bouche et parle à ton Dieu. Ouvre ta bouche et parle à ton Dieu. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu.